Dernière ligne droite de fou. Je vois Magnus partir dans la dernière bosse. Il avait vraiment du jus, il avait vraiment de la force. À un moment donné, je me suis dit, je vais me faire décrocher. Ça va être limite. Et puis finalement, sur les 30-40 derniers mètres, je vois qu'il commence à piocher. Et je vois que j'ai encore des ressources. Et là, c'est à ce moment-là où ça inverse un peu la tendance. Et voilà, j'ai tout donné pour finir à même pas une seconde devant. C'était vraiment cool. Je suis tombé par terre tout de suite parce que j'étais vraiment cuit. Et puis après, je me suis relevé et j'ai essayé de voir où étaient mes potes. Et vous étiez tous vers la ligne de départ. Alors j'ai dû attendre une trentaine de secondes avant qu'ils arrivent. Il faut mettre en lumière aussi les trois autres. Ils ont été super bons, ils ont été solides. Ils ont fait leur job et voilà, s'ils n'avaient pas été aussi solides, on serait pas devant. Ouais. C'est pour ça que plaisir justement qu'en individuel, de partager vraiment. C'est encore plus de plaisir, quoi. C'est quatre fois plus de plaisir de pouvoir partager ça avec les potes. Et puis quand tu vois le staff comme ça à pleurer à moitié, c'est énorme, à moitié complètement.